Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à World Driver Championship sur N64, une fois n'est pas coutume. Un jeu de voiture, ma foi, vous allez voir, plutôt sympathique. On est 64, et je le répéterai à nous, on est 64, tout simplement. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je trouve le jeu plutôt bien, bien joli pour un jeu 64. Les défauts que je souligne à chaque fois, là, sont un peu moins présents. Vous allez voir. Alors, donc on a une course rapide, un mode championnat, un mode entraînement, un mode option. On va voir le mode option, on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc, on peut revoir un jeu, on a des dossiers, on peut sauvegarder les dossiers. Donc ça, c'est chargé, sauvegarde tout simplement. On peut voir le générique. On va aller voir dans le menu configuration ce que l'on peut faire. On peut changer le volume de la musique si on veut. Je vais le laisser à 3, très bien comme ça. On a le volume des effets qu'on peut mettre au maximum. L'unité de vitesse qu'on peut changer de max par heure, kilomètre par heure, ça c'est du classique. On a l'affichage. Alors là c'est marrant parce que vous voyez ils vous mettent boîte HRS. Donc normal c'est en rouge en fait et boîte HRS c'est en jaune. Enfin c'est pas d'être haute résolution du tout. Je sais pas ce qu'ils ont fumé mais en gros c'est un mode 16/9. Et du coup ça fait un zoom assez dégueulasse. Donc comment étant 4 tiers ici nous allons pas utiliser ce mode d'affichage. On a la transition manuelle automatique ou caisse je sais plus ce que c'est. Donc on va mettre en automatique. La vue de voiture, on peut voir la vue extérieure, la vue intérieure avec miroir et la vue intérieure sans miroir. On va garder la vue extérieure pour le moment. De toute façon, on peut le changer. On peut changer si on veut la vue en course. Donc on va laisser sur off. On va revenir en arrière. Voilà. Alors c'est un jeu qui est pas du tout évident à émuler. Donc voilà, il y a un petit peu de crépitement sur l'audio. Je pense que vous devez l'entendre légèrement. Mais voilà, je pense que vous allez vite faire avec Saps parce que je parle beaucoup plus fort normalement que le son du jeu, donc ça devrait aller. Allez, c'est parti, on va faire une petite, un petit entraînement, surtout vous montrer. L'entraînement, c'est super c'est super basique, puisqu'en gros, l'entraînement, voilà, vous démarrez sur une piste au hasard. Et vous vous entraînez simplement à rouler avec cette voiture. Alors, comme vous pouvez le voir dès le début, ben là on roule avec une sorte de Porsche en fait. Voilà, je peux changer la vue. J'ai les trois vues dont on a vu tout à l'heure. Si je fais ça, je regarde, vue de derrière. Et première chose qu'on peut se dire, franchement, et c'est assez énorme quand j'ai commencé à y jouer, c'est quand même, c'est vraiment, vraiment super pro. Regardez-moi les textures, elles sont quand même plutôt bien rendues. Et on a un maniement. Regardez, c'est comme dans du beurre, c'est super souple. Alors, effectivement, voilà. On a quelques défauts au niveau de la physique, mais je trouve, regardez, là je suis au joystick, c'était vraiment le gros défaut à 64, c'est vraiment doser vraiment les virages, et regardez à quel point je peux doser, on va dire, assez facilement. La voiture a une certaine inertie, et je trouve ça vachement bien rendu. Bon, je fais n'importe quoi, du coup la voiture elle part n'importe comment. Donc on est sur les circuits évidemment imaginaires, hein. Vous doutez bien que si les circuits étaient comme ça en vrai, ça ferait longtemps qu'il y aurait 15 000 morts dans ce genre de championnat. Et on a un petit compteur de vitesse en 68, voilà, qui nous dit, ben voilà, on est à telle vitesse, à tel ou tel, tel tronçon, je vais y arriver. Et là, on va vers le Coliseum, le Colosseum. Donc je peux freiner, bien sûr. La vue intérieure, bon, est plutôt sympa, mais il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Voilà. Alors l'effet de vitesse est correct, sachant que là, effectivement, on n'est pas à 200 km/h, hein, on est simplement à 150 km/h, donc bon... L'effet est quand même assez faible, vous vous en rendez compte. À 170 km/h, je vais avoir l'impression d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est un petit défaut qu'on pourrait donner au jeu. Par contre, voilà, je trouve le jeu mais d'une propreté, mais vraiment exceptionnelle. C'est vraiment la première chose qui m'a donné envie de jouer à ce jeu au tout début. Bon, il y a un peu de clipping, on sent que les corps arrivent un peu au fur et à mesure. Mais bon, voilà, on est quand même 64, donc ça existe encore le clipping à cette époque, hein, 32 bits, 64 bits, c'était le même combat. Et puis, de toute façon, même sur Dreamcast, des fois, c'est un jeu, ou même l'effet de fog sur PS2, il y avait cet effet masqué de texture qui arrivait au fur et à mesure, même si à la fin, ça s'est quasiment estompé. On va quand même assez loin, hein, faut pas déconner. Donc, je vais rechanger du, parce que j'aime bien cette vue, il est vraiment cool. On va faire start, et vous voyez, donc on a le réglage et le fameux mode haute résolution que vous voyez là. Voilà, là on est en mode normal, vous allez voir que c'est beaucoup mieux. On va faire reprise. Ouais, vous rendez compte quand même que c'est beaucoup mieux que le mode haute résolution, hein. Ça n'a rien à voir. Là j'ai réussi à prendre la chicane plus rapidement que tout à l'heure. Et voilà l'effet sur la voiture, la voiture réagit plutôt pas mal. Bon, ça reste de l'arcade quand même, mais c'est assez cohérent mine de rien. C'est quand même pas mal. Allez, on va faire start. On va donc revenir à l'entraînement. Enfin, on va sortir de l'entraînement.
Alors moi j'entends le son très fort, donc du coup je vais baisser un petit peu dans le casque. On va faire donc un mode course rapide, histoire de vous montrer ce que ça donne. On peut choisir la voiture, voilà, on n'est pas obligé d'avoir la fameuse Porsche qu'on avait tout à l'heure. On a une Eclipse Stallion, alors c'est bizarre, hein. Je vous avoue que c'est assez bizarre, parce que pour moi quand je regarde la voiture là, j'ai l'impression d'avoir une Mustang, le monde d'une Mustang. On a une classe C, on a une classe A, qui n'est pas accessible pour le moment, on a une classe B, qui n'est pas accessible non plus, donc c'est plusieurs variantes. Vous pouvez voir que le en bas on a des rangs, rang 27, rang 21, c'est quand même pas mal. On peut voir des voitures plus évoluées, il y en a aussi des caractéristiques qui changent au fur et à mesure. On a aussi la Rage 512 Evo. Alors la Rage 512 Evo, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est la Porsche justement. Donc on se rend compte qu'elles ont pas eu, ils ont pas eu les licences spécialement pour les voitures, mais bon, ils ont mis des noms d'équipe à la place ou des noms un peu changeants. Mais on dirait vraiment une Porsche. Ouais, que là c'est une rang 20 par exemple. On a une Lotus Elan. Alors on reconnaît plus une Lotus Elan, mais on a l'impression qu'elle est un petit peu condensée, c'est un peu bizarre. Il y en a toujours dans les trois modes, rang 25, rang 18, rang 29. On a une Manta. Voilà, classe A, classe B, je vous les montre tous. Alors les voitures sont plutôt bien rendues, même si on sent qu'en fait sous la voiture il n'y a rien, la 3D est totalement absente. On le voit parfois dans les changements de caméra au niveau des roues, on a l'impression que les roues en fait c'est juste des disques qui font 1 cm sur 1 cm de largeur, et c'est tout, vous allez vous en rendre compte des fois. On a une Ram Venom, et la Ram Venom vous l'aurez compris c'est une Viper GTS en fait, alors, simplement. Et je me demande en classe A ce qu'on a, bah non c'est la même couleur, pas trop de changement visuel. On a la Fury LS qu'on ne voit pas, et la EXR Challenger. Écoutez, on va prendre une petite Venom, elle est plutôt pas mal celle-là. On en voit qu'elle est rang 23, elle a une bonne vitesse max par rapport aux autres, si on compare à l'Eclipse par exemple, qui est assez lente. Et elle a un poids énorme, hein, donc on va prendre celle-là. Allez, c'est parti, on va faire un tour d'essai, un tour chrono ou une course arcade. On va faire par exemple une course arcade. Et on a quelques circuits. Alors on a Hawaii, on a les G, alors évidemment on va pas y accéder pour le moment, on n'a pas tout de débloqué. Et on a Lisbonne et la Forêt Noire. S'il vous plaît, la Forêt Noire, c'est une forêt en Allemagne, rien d'autre. Et peut-être aussi un dessert au passage, mais bon. Allez, donc on va tenter directement, je pense qu'on va prendre un circuit, parce que si on fait un mode championnat, on va commencer par ceux-là, donc on va déjà les avoir vus. On va faire par exemple Lisbonne, sur 3 tours, en mode arcade. Et donc c'est parti. Alors 8 concurrents, ce qui est plutôt honorable. Alors ce qui me fait un petit peu rigoler, c'est quand vous regardez l'écriture et au niveau du positionnement du HUD, si on enlève le contour, vous n'avez pas l'impression d'avoir Gran Turismo, sans déconner. Ça fait penser à Gran Turismo 1, Gran Turismo 2. Et franchement, c'est assez bizarre. Donc là, on est mal parti, par contre, on a un petit peu glissé. Ouah, la voiture qui glisse plutôt, elle a l'air un peu moins stable que la Porsche. On va voir ce que ça donne sur ce tracé. Allez, on va essayer de les passer. Bon, pour le moment, le tracé... Oh, ils freinent tous, est-ce que ça serait bien que je fasse ça aussi. Vous remarquerez qu'il n'a pas de dégâts par contre. Voilà, le jeu ne gère pas les dommages, mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est pas trop grave. Alors on accélère, et la voiture voilà, qui a tendance à partir de l'arrière copieusement, comme une Viper GTS de l'époque d'ailleurs. Si vous avez joué avec la Viper dans des Gran Turismo notamment, ou même d'autres jeux, elle a tendance justement à partir du cul. Et là, c'est le cas à nouveau. Quelques effets de fumée, brouillard, voilà, bien sympathique. On va freiner par contre là. Voilà. Alors j'aime bien c'est que ces voitures, on a l'impression qu'on drift en continu. Petit effet de lens aussi dans le jeu. Alors vraiment, je vous avoue, ce jeu, quand j'ai vu la première fois, c'était la grosse surprise. Vraiment. Je commençais à désespérer d'avoir des jeux 64 de course intéressants, pas trop arcade, pas trop brouillant, etc. Par exemple, il y avait GT Championship 64. Je sais plus si j'ai testé d'ailleurs ce jeu, il me semble que j'avais tenté à l'époque, mais c'était pas très très bon. Si c'est pas le cas, je revérifierai, on y jouera. Mais je trouve ce jeu quand même bien plus intéressant. Que ce soit dans tous les aspects en fait, hein, dans le maniement, dans les graphismes, même dans le son. Alors le son, je vous ai dit, vous faites pas trop avoir. C'est tellement difficile à émuler qu'en fait le son est un petit peu dégradé. Mais ça rend plutôt pas mal. On va freiner. Oh, j'ai freiné pas assez fort, du coup je l'ai poussé. Mais pas de pénalité en vue pour moi. Alors c'est pas un jeu qui est très facile. Hein. Honnêtement, il faut un petit peu s'entraîner. Le circuit a l'air très simple, hein, il n'y a pas vraiment de gros virages, etc. Mais quand même, il faut faire un minimum attention, pas trop se prendre tous les murs. Vous voyez, je perds beaucoup de vitesse. Et derrière, du coup, on va revenir sur moi. Alors, je vois que le positionnement de la caméra arrière, c'est pas trop ça. Allez, on part en drift.
Et on va réussir à recoller. Ouh, le troisième qui s'est complètement arrêté. Ah bah il a bien fait en fait de s'arrêter puisque il y avait un gros virage encore à gauche. Donc on a un mode arcade, mais mode arcade ne veut pas dire mode arcade classique, c'est-à-dire avec un temps limité, c'est vraiment un mode arcade juste parce qu'on fait une course comme ça pour s'amuser. Excusez-moi. Alors on va freiner, on va essayer de bien prendre l'accélération. Et ouais, c'est pas évident. On va changer de vue. Histoire d'avoir un effet de vitesse un peu mieux rendu. Et Lensflare qui gêne pas mal pour la visibilité, hein, on s'en rend compte. Oh là, alors là par contre j'ai tapé copieusement. Ça va, je suis quand même passé. Mais c'était pas vraiment le truc à faire. On va changer de vue parce que là c'est vraiment difficile de voir où on va. Oh là là, attendez, il y a un gros virage là. Et on est troisième. Il est en train de rattraper le gars devant nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de pas trop se taper. Il y a trois tours à faire, donc voilà, on va essayer de finir cette petite course. Et après on fera le mode championnat pour vous montrer un petit peu. Alors peut-être que je devrais mettre le son un petit peu plus fort. C'est ce qu'on va, je pense d'ailleurs, même faire. Alors attends, on va faire start. Je vais augmenter un peu le son du... Un peu le son du jeu qui est quand même pas très fort. Voilà, ça vous aurez une meilleure aperçu sonore. Déjà qu'on entend pas beaucoup les voitures. Alors je peux changer ça. Hein. Je vais mettre le volume SFX à 10. Voilà. On entendrait normalement beaucoup mieux le son du moteur. Et du coup, ça sera l'occasion de voir si le son des moteurs justement sont différents entre les voitures ou si c'est tous les mêmes. Normalement, il y a un gros freinage, voilà. Voilà, donc si on en dérapage, c'est parfait. On a rattrapé la 6 mini Mustang. En fait, qu'il est appelé Eclipse, pendant un moment, j'ai eu un bug. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est peut-être une Eclipse vraiment. Et je me suis dit, quand même, ça ressemble pas du tout. Ouais, c'est parfait. Attention, il va y avoir un gros freinage là, juste après ça. Parfait. Et oui, quand on passe dans le... sur une route un petit peu bosselée... On va se faire rattraper là, j'ai l'impression. Allez, c'est dommage, on est sur la ligne d'arrivée, on va peut-être gagner. Oui, parfait. Première place. Je disais oui, quand on rentre sur un revêtement un peu... non bitumé mais avec des. Comment ça s'appelle, avec des pierres apparentes. J'aurais pas trouvé. Comme des passages coûtés. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros on sent la vibration aussi quand on passe suivant le revêtement et le bruit aussi change. Donc on a gagné. On peut voir le replay. Donc là par exemple, bon attends que ça charge, voilà. Alors ce qui est marrant c'est c'est qu'il est marqué court, la traduction un petit peu bizarre en français. Alors on a quelques bugs graphiques quand même au niveau des phares hein, qui traversent les murs un petit peu, quelques effets. Et regardez bien au niveau des pneus, des fois on a le sentiment que les pneus sont pas en 3D en fait, c'est un peu bizarre. Alors par contre, voilà, ça je m'y attendais. Vous voyez le replay, c'est totalement faux en fait, on n'a jamais fait ça dans le replay, c'est vraiment bizarre. Donc voilà, encore un petit défaut, et la résolution qui est pas bonne, à chaque fois il faut que je change le paramétrage, il faut que je fasse gaffe à chaque fois, j'oublie. Donc on va à chaque fois le remettre. On peut mettre notre nom, prénom, ce que vous voulez. Voilà, on va faire OK. On va faire... non, on va faire une nouvelle course, on va revenir en arrière et on va faire le mode justement championnat. Faire un nouveau jeu. Encore une fois, le pseudo. Et c'est parti, donc... aïe, salut, mon nom est Skip... Skip Keller, ok. Tu m'as vu au cinéma, possible en tout cas, je suis propriétaire de Speedcraft et j'ai une sacrée voiture pour toi. Alors, je suis désolé... je ne te connais pas. Voilà, je suis Carlos Garcia, le propriétaire de Core Racing. Comme toi, nous sommes nouveaux sur le circuit, commence ta carrière avec un bel Rage 512. Donc en fait, voilà, on va pouvoir choisir...
de commencer avec certaines voitures. Donc là, on a que deux équipes qui nous proposent quelque chose. Il y en a un rang en bas, voilà, rang 30. Et le rang, en fait, de nous permettre, bah, au fur et à mesure, quand on va baisser de rang, d'avoir d'autres voitures un peu plus rapides. Donc on va, par exemple, choisir une équipe. Donc soit la Speedcraft, soit la Core Racing. On a donc la GT2, c'était la Porsche, et celle-là, c'était la... je crois que c'était la... l'Eclipse. On a la Viewpoint, Reed, Eurosport, Total Sport et Elite. Donc, sachant qu'on ne peut pas, évidemment, commencer par ces équipes si je fais Viewpoint. Normalement, il faudra pas. Voilà, notre TVLA. Je prends l'élan, normalement. Mais c'est pas, voilà, donc c'est pas accessible. On est obligé de commencer par l'une des deux. Eh ben écoutez, on va prendre celle-là. On va tester la Régévo. On va comparer avec la première, quand même, on sait jamais. Ouais, c'est à peu près la même chose. Donc on va faire... Non, on va commencer avec la Core. Elle est un petit peu moins rapide en tout, mais en maniabilité, elle est mieux. Donc on va prendre celle-là. On va accepter l'offre. Bienvenue dans la Team Core. J'ai de grands espoirs pour toi et la voiture ne te fera pas faux bond. Nos ingénieurs sont les meilleurs. Jusque là, il suffit de les croire, quoi. On va sélectionner la course. On a la Novice Cup et la Speed Cup. Vous voyez, on a tout ça comme coupe, donc c'est quand même pas mal. On va dire une durée de vie plutôt cool. Et regardez, on a des points par course et les points bonus si on finit le championnat en premier, deuxième, troisième place et si on a une pole. On va faire la Novice Cup pour commencer. Avec deux circuits sur deux tours. On aura Hawaï et Kyoto. Et donc c'est parti. Voilà, et tout de suite, ce qu'on va faire, on va faire une qualification. Et ce que nous allons surtout faire voilà, dès le début, c'est regarder la résolution normale, donc c'est bon. On va laisser comme ça. Attention, régime moteur. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc là, on est à Hawaï, et vous voyez quand même, le décor est plutôt sympa, les effets de lumière sont plutôt cool. Bah, c'est pas vraiment les effets de lumière en tant que tel, c'est vraiment... je vous le redire à nouveau, hein, c'est vraiment les textures, moi j'aime beaucoup, quoi. Je trouve le jeu... c'est très simple, mais c'est propre, et c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. Allez, on va accélérer. Alors là, on est en catégorie GT2 normalement, mais on peut passer... ou en GT1, je sais plus. Et on peut augmenter après dans les catégories, changer de type de voiture pour des voitures beaucoup plus rapides. Donc ça pourrait être un petit peu comme un Gran Turismo en fait. Seule différence c'est que là on pourra pas changer de voiture comme ça, on va intégrer une équipe puis on va évoluer avec. Quitte à changer un peu plus tard, mais pour le début on est un petit peu bloqué avec notre voiture. Évidemment un choix de voiture qui est beaucoup plus réduit qu'un Gran Turismo, donc c'est pas tant comparable que ça. Mais dans l'idée il y a un peu de ça. Et vraiment voilà, c'est sympa. D'ailleurs je suis peut-être un petit peu trop élogieux sur ce jeu. Mais franchement, pour une fois que je tombe sur un jeu 64 de course, qui est vraiment intéressant, il y en a sûrement d'autres, évidemment, attention, je dis pas que c'est le seul qui est bon, voilà. Mais ça fait vraiment plaisir de tomber sur ce genre de jeu. Voilà, 64, c'est une console qu'on n'a pas trop fait, en tout cas sur la chaîne. Souvent par des problèmes aussi d'émulation. Puis je n'ai pas 64 en vrai aussi, c'est une rare console que j'ai pas. Attends, les 32 bits, je les ai. Toutes les 64, non je les ai pas. 128, je les ai pareil. Pas toutes, non, pas exagéré, mais enfin les premières 128, je n'ai. À part la Xbox, etc., que je n'ai pas. Alors je pense qu'on peut aller encore plus vite si on gère la vitesse, hein, si on peut monter ou descendre les rapports. Alors on a fini le tour, une nuit qu'on part en première place. Ce qui est étonnant d'ailleurs quand même. Première place, Core Racing. Ah bah ouais, on a fait une 46, donc on a vraiment été plus rapide que les autres. Je m'attendais pas hein, pour un premier tour, franchement. Allez, on va démarrer la course. Et du coup, comme on a le pole, on a gagné 1000 crédits. On s'est fait griller par une éclipse. On a plus que ça pour deux voitures. Oh là là, on a mis un coup de poussette là. C'est pas du drag là, c'est vraiment du. C'est pire qu'un NASCAR là ce qu'on a fait. Du coup, je tout passe. Bon, logiquement, si on a fait la pole au début, je pense que la course va pas très compliquée. Bon,
donc je vais me taire un tout petit peu. Ouais, les décors quand même sont pas mal, hein, vraiment. Enfin, je vais le redire 10 fois, mais bon, c'est plutôt bien. Je précise quand même qu'il n'y a pas de... pas comment s'appelle le Rumble Pack, mais de Memory Pack expansion. Pour avoir plus de mémoire vidéo, hein. Le jeu est vraiment brut, comme ça. A noter aussi qu'on est 8, hein, et pas 6. Quitte à faire la comparaison. Ouais, jusqu'au bout. Et puis on n'a pas de problème de fluidité non plus dans le jeu est très fluide. On se fait rattraper, et voilà, on s'est fait passer par la par l'ellipse. Eclipse. C'est bon. Oh, ça va taper. Non, ça, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts. Allez, j'ai un petit coup de boost grâce à l'IA. Et donc malheureusement l'accélération c'est pas trop ça. Alors c'est marrant parce que c'est un petit peu différent de beaucoup d'autres jeux qu'on a testé, où souvent la qualification c'est quasiment imprenable, ils sont super loin, on comprend pas pourquoi, puis en course bizarrement on les rattrape, ils sont vraiment ralentis. Là non, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu plus rapides en course qu'en qualification, ce qui est paradoxal dans l'absolu, mais bon, ça relance un peu l'intérêt en mode course. Bon, l'IA n'a pas l'air non plus très sauvage, voilà, si on passe à droite, il n'y a pas de nous bloquer forcément. Elle est quand même assez sobre. Alors ce jeu me fait aussi penser des fois un peu à Ridge Racer. Le dernier tour fera pas faire de bêtises si on veut remporter la course. Faut faire attention, surtout voilà, pas forcément là, mais après. Surtout que pour se lancer, c'est assez long. Vous voyez quand même, les vitesses sont pas délirantes. Hein. On est à 210 km/h, on a des voitures quand même normalement censées être très très rapides. Et là, bon, je sais pas qu'on se traîne, hein. On est à 200, mais c'est pas, voilà, on n'est pas à 300 d'un coup. Alors on n'est pas avec les voitures les plus rapides du jeu quand même, mais. Mais quand même, à 200, ça va très lentement la montée en vitesse. Quand on descend, bon, bah, effectivement, on gagne la vitesse beaucoup plus rapidement. Mais c'est pour ça que je dis vraiment, ce jeu, je le trouve quand même bien cohérent. J'ai failli sortir à nouveau de la piste à cet endroit. Et voilà, donc on a remporté la première course. Du coup, on va gagner pas mal de crédits. Et du coup, on a 15 points. Dans Novice Cup course 1, première place 3000, bonus pole 1000. Du coup, on va avoir 4000 crédits. Et on va passer au rang suivant. Enfin, au cours suivant, pardon. Et vous imaginez bien que si on s'améliore au fur et à mesure, on va avoir un rang qui va changer. Allez, c'est parti pour Kyoto. 2 tours. Et on va commencer par une petite qualification, évidemment, pour voir. Pour essayer de faire la pole. Alors je sais pas si on peut faire entre parenthèses un super départ, bon on est pas sur mauvaise carte, mais je pense qu'il y a moyen quand même d'avoir un départ peut-être un petit peu mieux, ou alors on était déjà au maximum du départ. Alors on est à Kyoto, sincèrement j'ai voulu être là en vrai, je pense que c'est Giz Kyoto parce que voilà on va avoir un décor un peu à la japonaise, mais je doute qu'on soit à Kyoto même, hein, loin de là. En tout cas je reconnais pas plus que... certains temples. On va faire gaffe parce que là on va arriver dans la partie la plus sinueuse. Voilà, on passe sous le pont. Alors ce qui est moins de prendre plus vite. En passant dérapage, on accélère. Ouais, on utilise la. Le sur-régime pour bien prendre le virage. Ah, ça tape un petit peu. Mais ça passe. Et j'ai la pole position, donc c'est parfait. On va avancer un petit peu. On va pas le replay, pas besoin.
Et on va passer donc à la course directement. Si on commence à la zone rouge, peut-être qu'on peut... Ah, c'est dommage, je pense que j'ai loupé mon départ. Logiquement, on devrait peut-être accélérer mieux. Alors c'est vrai que la voiture, c'est pas la meilleure pour l'accélération, mais... Et finalement, ça s'est bien passé. On va faire gaffe, parce que voilà, dès le départ... Virage serré, là aussi... Ouais, je prends des angles assez élevés. La voiture partira pas spécialement en tête à queue, hein. C'est vraiment... Voilà, c'est là où on est quand même dans l'arcade. Là, je peux vraiment prendre... Regardez, j'ai quasiment pris à fond, les voitures n'est pas partie d'un coup. Elle a pas, comment dire, fait de coups de raquette. Comme c'est logiquement, enfin, souvent le cas dans les jeux de simulation. Ah, par contre, j'ai perdu vraiment de vitesse, de la vitesse. Alors, qu'est-ce que je pourrais reprocher au jeu? Bah, au niveau des circuits, c'est quand même que, même si les décors sont bons, bon, c'est un petit peu vide, c'est un petit peu dommage, voilà, ça manque un petit peu d'animation. Alors, on a des panneaux un peu partout, mais ça manque de... Bah, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de public en fait, on a l'impression d'être dans la nuit et qu'il se passe rien de plus. Il n'y a pas de tribune avec des éclairages, des crépitements de. Des crépitements d'appareils photo, spectateurs. Enfin voilà, on a l'impression vraiment de faire du street racing, d'être en ville en mode illégal et pas en course réelle. C'est voilà, ce petit. Vraiment un petit défaut que je pourrais lui reprocher. Maintenant, j'en trouve pas beaucoup, hein. Je vous conseille vraiment d'essayer ce jeu. Vous allez voir que le jeu est. Bah, est bien, voilà. Hein. Je pense que c'est résumé. Alors les musiques, ça c'est toujours au goût de chacun, très classique. C'est entraînant, c'est tout ce qu'on demande, pas plus, pas moins. Bon, c'est pas de musique qu'on retiendra. Voilà, c'est pas des airs... Alors sauf, je vais me faire tuer en disant ça, parce qu'il y en a qui va reconnaître sûrement la musique, qui va me dire « Mais t'es fou, bah, ce mec c'est un guitariste hors pair, c'est un groupe ultra connu, tu connais pas Metallica ?» Je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà. Mais pour moi, je trouve que ça reste très très classique, très basique pour un jeu de voiture, donc pas plus, pas moins. Enfin, en tout cas, c'est pas là où est le point fort du jeu, loin de là. Mais voilà. Disons que c'est cohérent, ça sera pas un point négatif en tout cas. Je vois pas quoi dire de plus, sincèrement. J'ai hâte de finir la coupe juste pour vous montrer un petit peu la suite quand même. Donc on a fini, voilà, on va avoir 3 points, on va avoir 30 points. Du coup, on est deuxième et on a 23 000 de gains. Et mon rang est monté au rang 29. Et du coup, le rang, ça me permet sûrement d'acheter d'autres voitures après, vous en doutez. Alors, bien fait, tu as eu la coupe d'or. Alors, bien fait, tu as eu la coupe d'or, ça fait un peu bizarre, c'est un peu... ah, c'est bien fait pour toi. Sauf qu'en général, c'est censé être péjoratif, c'est quand même plutôt fait pour être... à l'inverse, justement, optimiste. Donc, on va faire OK. Et donc, du coup, bah maintenant, regarde, je suis le directeur de la meilleure écurie d'Italie, joins-moi à Viewpoint et laisse les voitures d'enfants. Et vous allez voir que si je fais sélectionner course dans l'équipe, maintenant, on a débloqué l'équipe Viewpoint avec une Lotus Elan que nous allons prendre directement, d'ailleurs. Alors, elle n'est pas available parce qu'il faut un rang 25, on est rang 29, donc on n'est pas encore... au point de pouvoir la choisir, on va accepter l'offre. Comme ça, on va voir un petit peu. Je croyais que nous étions amis. Mais on avait dit qu'on était amis, quoi. Enfin bref, c'est bizarre. D'autres écuries ont des voitures rapides, mais les ingénieurs rendront notre voiture plus rapide. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je vais quand même quitter... Voilà, nous voyons que tu as accepté mon offre généreuse, espérons qu'aucun des deux ne le regrettera. Tu m'étonnes. Alors c'est parti, on va faire Viewpoint, on va faire sélectionner la course. Et du coup maintenant on a l'Emperor Challenge qui est débloqué. Et on a la Novice Cup qu'on a gagnée. On va faire la Spider Cup. Pas forcément entièrement, mais c'est juste pour vous montrer un peu la suite avec une voiture un peu différente. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Allez, c'est parti, c'est pour la Spider Cup, on va faire la qualification. On va voir ce que vaut cet élan. Cette Lotus élan en fait, hein. Pas besoin de... Même si les phares arrière ont l'air un peu différents. Ah bah c'est le circuit qu'on avait dans le mode démo hein, au début. Vous n'avez pas forcément vu parce qu'en fait quand on met le mode entraînement, il nous met un circuit au hasard avec une voiture au hasard et rouler jeunesse.
Donc là, par exemple, c'est un circuit que j'avais eu un peu dans les tests avant. Qui est un circuit pas évident d'ailleurs, parce qu'il est plutôt étriqué. Puis des. Voilà. Alors on peut passer à l'intérieur si on veut, mais on perd beaucoup de vitesse de passage, donc c'est pas forcément très intéressant. Mais j'aime beaucoup, voilà, ces passages-là. Et on voit le travail de suspension qui est quand même plutôt bien rendu. Alors, à mon avis, j'aurais pas la pole à cause de ça. Non, moi, je vous aurais montré un peu la physique. Alors, vous l'aurez compris, chaque voiture a sa particularité, hein, plus de vitesse, plus d'accélération, plus de maniement. Donc voilà, on n'est pas tout le temps avec la même chose. Oh, je fais n'importe quoi. Voilà, si j'ai la pole quand même, une 41. On voit le temps de la pole, j'ai pas fait gaffe, effectivement. Une 41 à battre, bon, à mon avis, on peut oublier. Tout quoi, si je glisse trop. Une 41, oh, j'y arriverai jamais. Il y a vraiment trop de virages à faire là. Oh, je suis passé à fond, c'est passé nickel. Et là on va avoir un freinage mais énorme. Non, faut que j'ai à peine freiné légèrement, ça suffisait. Ouais, je pense que c'est vraiment un jeu à jouer en vitesse manuelle pour avoir un peu plus de plaisir, un peu plus de couple à l'accélération. Je pense que le mode manuel nous bride quand même pas mal. Ah ouais, une 41 la pole, vous êtes sérieux? Regardez-moi ça. Une 41, je suis en une 47. Je suis complètement à la rue, je suis quasiment à 12 secondes. Et on partira dernier, mais ça m'étonne même pas. Et vous avez vu la résolution qui a changé. On est passé en ARS maintenant. Alors tout à l'heure on était en résolution normale, c'est un petit peu bizarre quand même comme façon de procéder. On va faire démarrer la course, écoutez tant pis, hein, on va la refaire. Enfin voilà, tenter en course. Et on va partir vite. Alors peut-être qu'on aura des voitures plus rapides devant nous aussi, ce qui va peut-être forcément être facile pour nous. Pourquoi non, j'ai l'impression que pas grand chose a changé. Allez, c'est parti. On va avoir un virage serré à gauche. Oula, on va essayer de passer quand même plus proprement, même si c'est totalement un échec. Allez, gros freinage. Gros freinage, mais l'IA freine encore plus fort, donc du coup, je me fais surprendre. Ouais, c'est pareil, hein. J'ai coupé, ça a bien ralenti, mais c'était pas non plus très propre. Ah, attention, ce virage, par contre, oh, ils ont tendance à piler, et ils me disent qu'ils font une 41, non, sans déconner, c'est pas possible. Les qualifications une 41 avec des voitures aussi lentes, j'y crois pas trop. C'est bien, c'est quoi, il y a quelques petits sauts. Alors l'avantage c'est que je peux aller vachement plus à l'extérieur, c'est pas du gravier. Alors ce qui est drôle aussi, c'est que l'IA a tendance à freiner à des gros endroits où nous on freine pas du tout. Et inversement, quand il faut accélérer, ils lui mettent un vent énorme. On va avoir là c'est un gros freinage. Évidemment, je l'ai aidé, regarde, on l'a poussé complètement. Mais vous voyez, l'IA réagit bien, hein. Il a pilé, il a freiné, il s'est rétabli, et finalement il s'est remis en piste tranquillement. Les chocs sont pas réalistes, mais ils ne sont pas impactants comme dans certains jeux, où quand on touche un mur, par exemple, on s'arrête d'un coup, la voiture fait n'importe quoi. Non, là vraiment, c'est pas... Voilà, je suis encore n'importe quoi. C'est pas très propre, mais ça ne rend pas le jeu injouable. Là, il a pilé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh, va-t'en. Oh là là, mon dieu, c'est n'importe quoi, c'était tellement pas beau à voir. Oh, il va mettre dehors, et on a touché le mur malheureusement, du coup. C'est pas grave, on va l'avoir, je pense, au prochain virage. On va pouvoir prendre beaucoup plus vite, on passe à l'intérieur, c'est incroyable, il prend tous les risques, c'est la rage de vaincre. Et là, on l'a bien pris. On l'a tellement bien pris. Regardez comment on va les déposer à la chicane. Bon, on a tapé un petit peu, du coup on a perdu une autre vitesse de sortie. Mais ça s'est quand même bien passé. Bon, l'IA est assez tranquille. Voilà, c'est le début du jeu, donc je trouve que c'est plutôt normal. J'ai perdu ma vitesse de sortie aussi.
Voilà, donc c'est un jeu qui aurait mérité, je pense, une meilleure place au soleil. Hein, parce que franchement, il le mérite. C'est pas le jeu du siècle, mais c'est quand même pas un mauvais jeu pour autant. Et je vous dis franchement, je prends un sincère plaisir à piloter cette voiture. Voilà, glisser, jouer avec, c'est assez rare pour le souligner. Il y a des jeux qui ont tendance à être réalistes mais ultra chiants, d'autres arcades mais totalement nop. Et lui, il est vraiment bien placé entre les deux, donc c'est quand même cool. On va faire attention, voilà, au virage là. Moi, je fais n'importe quoi. Non, ça va. Heureusement, j'ai de l'avance, on peut le voir en bas. Voilà, c'est passé. Et du coup, on remporte la victoire, voilà, première place. C'était pas gagné au début, hein. J'ai eu le temps de qualification, je me suis dit, bon bah là on a galéré, et j'ai fait quand même un tour en 1.44. Pour faire la pole, il fallait faire 1.41, 3 secondes de mieux. Alors certes, j'ai pas forcément été bon en tous les virages, mais c'est pas facile quand même de faire la pole pour ce circuit-là. Voilà, donc on a fini la Speed Cup course 1, et on est monté au rang 28, donc du coup on aura d'autres bagnoles, ça va être bien. Et on passe à la course suivante. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, de toute façon vous avez compris. Donc c'était World Driver Championship sur N64. Franchement, je vous l'ai déjà dit, je recommande, essayez au moins. Alors c'est pas le jeu de l'année évidemment, mais pour l'époque, franchement c'est pas mal, hein. Je trouve même plus intéressant pour vous dire qu'un Sega GT sur Dreamcast, qui pourtant est beaucoup plus complet, a beaucoup plus de choses, mais au niveau du maniement, il n'y a rien à voir. Enfin, franchement, je trouve le jeu beaucoup plus intéressant là que sur comparé à Sega GT sur Dreamcast. Je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez savoir comment jouer à ce jeu, en tout cas en émulation, je peux vous donner le lien. Sachant qu'il est vraiment ultra chiant, il ne démarrera pas. Je vous dis maintenant, il faut vraiment configurer tel ou tel truc, tel plugin, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu long de faire ce jeu. Mais c'est tout à fait possible, ouais, le jeu marche bien et c'est cool. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!